Alors, il est 19h31, on va se lancer dans l'aventure. C'est vrai qu'on est tellement nombreux, donc on va faire au mieux pour respecter l'ordre du jour. Alors, tout le monde a signé la liste des présents, je suppose. Si ce Oui, n'est pas le allez. cas, le document est là. Le mot de bienvenue, eh bien, merci pour votre temps et votre présence. Sans ça, il n'y aurait eu que le comité sur place, ça aurait fait des ordres quand même. Alors, logiquement, on doit désigner un secrétaire de séance et un scrutateur. Logiquement, comme on enregistre les propos, ça nous fera la base pour refaire le procès-verbal de l'Assemblée de cette année. Et au niveau scrutateur, je crois qu'on devrait arriver à pouvoir s'auto-vérifier. Ça devrait être tout à fait Moi, je faisable. demande 50 balles. Alors, nous allons commencer par les Merci. discours et celui du président. Ça tombe bien, ça tient tout sur une feuille cette année. Alors, chers amis, chers membres, j'ai mis ça au pluriel, j'ai bien fait. Nous voici à nouveau réunis pour vous présenter le bilan de l'année écoulée. Tel un Lego, de nouveaux aménagements ont été effectués dans notre local. Merci à Gabriel pour la réalisation de deux magnifiques étagères en bois. Sur le plan technique, nous avons complété nos équipements pour la numérisation et nous testons une nouvelle caméra qui présente l'avantage de fonctionner via le réseau informatique. Ainsi, le son, l'image, l'alimentation et les réglages peuvent se faire à distance à travers un simple câble RJ45. Depuis quelques mois, notre rythme de production sur notre page YouTube s'est accéléré. Nous proposons une vidéo par jour, du lundi au vendredi. Ainsi, petit à petit, nos archives sont à disposition du public. Quelques chiffres pour YouTube. Nous avons maintenant plus de 1100 vidéos en ligne et nous totalisons 1 050 000 vues pour notre chaîne. Et en 2023, nous avons posté 159 vidéos. Tout cela est possible grâce à la subvention de la ville de Vernier et l'aide généreuse de la communauté des propriétaires d'Avanchais que nous remercions chaleureusement. En dehors de notre travail de préservation de la mémoire collective, nous faisons de notre mieux pour participer à la vie associative, notamment par notre présence au sein du groupe projet du contrat de quartier des Avanchais, mais également en s'impliquant au sein du comité d'organisation des 50 ans de la cité en septembre prochain. Une conclusion en forme de réflexion, en 2025, Canal 29 aura à son tour 50 ans. À votre avis, comment allons-nous organiser cette année exceptionnelle pour notre chaîne? J'ai dit. Rapport financier, notre trésorière, Madame Bounchou. Suite à la disparition du Crédit Suisse, nous reste-t-il encore un petit peu d'argent? Non, monsieur le président. Je m'en doutais. Heureusement, nos sous sont pas à l'UBS, c'est Non. pas au Crédit Non. Suisse. Ce qui s'est passé, si je peux me permettre, il y a eu C'est des lui. problèmes avec le Crédit Suisse. Ça n'existe plus, ça a été absorbé par l'UBS. Ah, d'accord. C'était ou la mise en Ouais. faillite ou l'absorption. Je me souviens que j'avais lu quelque chose il y a un certain temps, mais je ne savais pas que ça avait été effectif. Ouais. Ah oui, ah oui. Ça, c'était donné une magouille Mais de ils ont grande réussi à payer envergure. tous les dividendes, hein, quand même. Pas où. Ils avaient déjà bouffé la société des banques suisses en 1999. Ouais. Ouais. Il n'y a plus qu'une seule banque en Suisse, quoi. Le Exact. reste des. C'est une méga C'est banque. trop gros. Ah Oui, oui. il reste BCG, Banque Cantonale Vaudoise, des Elle choses est comme ça. Raiffeisen, non? La RFSN. Elle est post-filante. Aussi. Alors, on va Chers attaquer. collègues, le Oui, oui. d'accord. Avec nos modestes. Au revoir. Rapport de la trésorière, exercice 2023. Chers amis, chers membres, nous bouclerons l'année 2023 avec une perte de 2 813 francs et 0,4 francs. Une perte qu'on peut expliquer avec des nouveaux investissements dans notre groupe de diffusion et un aménagement de notre local multifonctionnel. La subvention accordée par la ville de Vernier était de 6 000 francs. Le soutien financier de la communauté des propriétaires d'Avanchais était de 10 000 francs. Merci pour ces aides précieuses à la ville de Vernier et à la communauté des propriétaires d'Avanchais.
Nos charges sont stables dans les rubriques assurance, buvette, énergie, SIG, Suiza, frais postaux et sécurité. À la rubrique fourniture et faits divers, la somme de 2100 francs correspond à une étagère qui complète l'aménagement de notre local. Swisscom qui réunit téléphonie, Internet et Bluewin reste aussi stable. Sous la rubrique vidéo et diffusion, une nouvelle caméra Blackmagic et accessoires pour 3347,90 rejoint notre équipe. Un équipement avec une possibilité de numériser nos actifs pour une somme de 3068 francs et une live solo vidéo avec accessoires de 1820-13. Et pour finir, un nouveau système de transmission en direct sur le terrain pour 2139,58 francs. Des dépenses nécessaires pour un bon fonctionnement des Canal 29. Les produits. Les cotisations des membres sont stables et la rubrique dont un fonds de soutien est alimenté par les 10 000 francs de la communauté de propriétaires d'Avancher et des dons de nos généreux membres. Entre parenthèses, qui n'est pas sur le rapport, les communautés des propriétaires d'Avancher nous ont averti que 2024, ils peuvent malheureusement plus nous accorder 10 000 francs, seulement 7 000 francs. C'est à cause de la commune qui veut plus des affichages de publicitaires et ça leur apporte plus ces fameux rentrées publicitaires sur la commune. Seulement entre parenthèses, d'accord, c'est pas, ça vient sur le, on va encore discuter l'année prochaine. J'arrive à la fin de mon report et je remercie toute équipe pour le travail accompli sur le terrain et au local de Canal 29. Un grand merci à notre président Bernard Patine et à notre cher vice-président Bernard Boulance. Merci aux vérificateurs des comptes pour votre confiance. Merci à nos membres et sympathisants pour votre soutien qui est précieux. La trésorière Nelly Bunchu. Merci Nelly. Qu'est-ce que vous avez des questions sur ces... J'aimerais savoir combien de membres finalement... Actuellement, nous sommes je peux te le dire moins de 20. Je peux tout de suite le dire. J'ai tout pris avec. Non, ça devient un peu restreint. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pour 700 francs. 14 fois 50, ça fait bien 700 francs. Voilà. Oui. Nous, on a beaucoup plus de généreux donateurs, oui. D'accord, qui nous soutiennent. Et comme la communauté des propriétaires d'Avancher veut plus qu'on les mette dans les subventions, qu'on les maintenant mis dans le fonds de soutien, c'est les 10 000 francs sont dans les dons et fonds de soutien. D'accord. Pour cette raison, 11 650 francs de dons et de fonds de soutien. Comme ça, tu... Et puis, pour les 40 ans, on n'a rien fait. Pour les 50 ans, alors, je ne sais pas, vous, s'il y a un ou deux éléments qui vous trottent dans la tête, on a l'intention de refaire une journée porte ouverte. Surtout que... Alors, c'est un chiffre rond, mais comme lorsque l'on a eu nos 20 ans, on va dire qu'il y a deux éléments qui se catapultent. C'est que l'année avant l'anniversaire de Canal 29, c'est l'anniversaire de la Cité des Avanchers. Donc, on a un gros ramdam parce que c'est l'anniversaire de la Cité des Avanchers. Puis nous, on vient juste derrière et on essaierait de faire un truc... Alors, on pourrait, mais c'est compliqué de s'intégrer dans une manifestation qui est quand même assez lourde, là, pour les 50 ans des Avanchers. Et puis, c'est aussi assez important cette année, puisque la Cité des Avanchers est maintenant classée à l'inventaire fédéral pour la protection. C'est-à-dire que c'est des bâtiments auxquels on ne peut plus toucher. Ils sont considérés comme éléments historiques, comme le Lignon. Voilà. Donc, c'est d'autant plus important.
Voilà un critère qui peut entrer en ligne de compte pour le 50e anniversaire. Aussi, bien sûr. Avec une campagne de recrutement. Ah, c'est en général le bon moment pour essayer de motiver des troupes. Mais nous, c'est vrai qu'on s'oriente vers une journée porte ouverte, d'accueillir les personnes. Après, dans l'année, savoir s'il y aurait quelques opérations ponctuelles qui permettraient aussi de faire parler de Canal 29, on aimerait bien. Dans les idées qui ont été soumises par des personnes qui ne sont pas là ce soir, c'est finalement tous les enregistrements qui ont été faits. Alors je parle bien audio là, hein, c'est-à-dire le côté sonore et pas image. Tous les enregistrements qui ont été faits pour les fanfares et les chorales, pouvoir les mettre à la disposition du public. Y a également des gens qui nous ont dit pourquoi vous n'ouvrez pas une page YouTube dédiée à Radio Boom. Eh oui, puisqu'on a toutes les archives audio. Donc c'est juste une question de numériser le support, de le mettre en ligne. Alors on sait déjà que YouTube va pas toujours être content avec le contenu musical, mais en même temps, dans la majorité des cas, les vidéos vont passer. Et ce serait effectivement un moyen de peut-être trouver un autre public, des gens qui ont participé à cette expérience, qui tout d'un coup seraient surpris, etc. Mais c'est chaque fois un bout de travail supplémentaire qui vient s'ajouter à ce que l'on est en train de gérer avec Yves. Donc, pas impossible, mais... Il y a encore des archives sonores sur oui. YouTube. Est-ce que la Suiza va essayer de... Alors, pour nous, le fait de créer une page, par exemple, qui serait dédiée à YouTube, ça n'a aucun impact vis-à-vis de notre contrat avec la Suiza. C'est-à-dire qu'on continue à payer le même montant. YouTube, c'est relativement simple. Le fort juridique de la plateforme est aux États-Unis, donc ils n'ont pas de contrat avec les sociétés de droits d'auteur en Europe. Donc on est tous pris par YouTube qui dit « ce morceau-là, vous ne pouvez pas faire d'argent avec ». Mais ça veut dire qu'il y a la démarche de vouloir monétiser nos vidéos. Et en général, ce n'est pas systématique que l'on demande la monétisation pour les vidéos. D'abord parce que ça ne rapporte pas grand-chose. En gros, il nous faut une année et demie pour recevoir le montant minimum qui est de 100 francs. Donc là, logiquement, dans le mois qui vient, je vais recevoir 100 francs pour un an et demi qui vient de s'écouler. Quand on sait qu'on met 150 vidéos en ligne par an, 100 francs, ça veut dire même pas un franc par vidéo. Donc... c'est pas ça qui va nous faire vivre. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, tu parles de millions de vues sur YouTube. Oui. Mais quand il s'agit de recruter une ou deux personnes ou trois personnes qui pourraient participer à la chose, tu vois. Oui. Mais je crois que c'est le côté consommation de l'image aujourd'hui. On est demandeur, on se balade YouTube, TikTok, enfin tout ce qu'on veut comme plateforme. Mais de s'y investir pour créer un produit ou développer quelque chose... Avant de consommer, il faut produire. Hein. Oui, ah ben ça c'est incontournable. Oui, mais je ne veux pas produire, je ne veux consommer. D'accord. Mais ce qui a beaucoup changé aussi en quelques années sur YouTube, c'est l'apparition de toutes les chaînes de télévision qui maintenant mettent en ligne leurs produits. Et surtout les émissions phares, dans l'heure qui suit, elles sont en ligne sur YouTube. Parce que pour eux, par contre, vu le nombre de vues, ça a un certain retour financier. Et puis, c'est une manière d'amortir. Donc, ça restreint encore, on va dire, la place ou le temps que les gens peuvent consacrer à une page comme la nôtre. Parce que finalement, nous sommes en ligne sur YouTube depuis 2007. 2007. Ouais, 2007. Donc à l'époque, on avait droit à un timbre-poste hein, sur YouTube. Et de 2007 à 2024, ça fait 1 050 000 vues. Si tu divises par le nombre d'années, c'est pas grand-chose, hein, le Finifi. Je trouve que le chiffre est quand même assez impressionnant. Ah oui, oui, oui. Ah, ben, je trouve que c'est assez impressionnant. On en est content, c'est clair. Mais on sait qu'aujourd'hui, il se crée je ne sais pas combien de pages chaque jour sur les plateformes comme YouTube. Donc ça devient complexe. Et nous sommes une chaîne généraliste quelque part. Oui. Tandis et que aussi, quand une chaîne est spécialisée, bon, elle trouve son créneau, son public, c'est comme une famille. Tandis que nous, on touche un petit peu à tout. Donc là aussi, on voit bien que tu fais une émission sur le vinyle, on arrive à avoir jusqu'à 100 000 vues sur une émission. Il y a combien d'abonnés finalement sur actuellement, 22 400. C'est quand même pas mal. Hein. Mais très peu de participation dans les commentaires. Même si c'était pour dire j'ai bien aimé la vidéo, ou là, machin, il n'est pas très clair dans ses explications. Ouais. Mais donc, il n'y a
pas cette espèce de synergie, d'interactivité qui se crée. Mais oui, les chiffres sont tout à fait honorables. Mais. Bon, ben on verra ce que. Donc voilà. Mais entre-temps, si vous avez tout d'un coup des idées, un petit machin qui vous vient, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, ça nous rendra service. On dit toujours qu'on a le temps, mais 2025 est un loporte. Et puis, en dehors de la notion de faire une journée porte ouverte, on a demandé à Mélina, donc je rappelle que le nouveau logo qui est là depuis quelques années, c'est celui qui a été redessiné par Mélina Bounchou, et on lui a proposé d'en faire une version pour les 50 ans. Oui, elle est en train de le faire. Et cette version-là ne sera utilisée que pendant un an pour marquer l'événement. Vous allez être complet. Mais je n'en doute point. Donc voilà, ça c'est deux éléments que l'on a dans les tuyaux, comme on dit, pour notre 50e anniversaire. Mais c'est bizarre, pourquoi tu as les nouveaux quartiers comme l'étang. Quand on parle avec les gens, ils regardent YouTube, ils regardent Canal 29, ils savent. Mais quand je dis, je suis la trésorière, il y a M. Patine, il y a des gens qui ont un local à Vager, ils tombent presque des nus. Mais il y a un studio, non, ils ne parlent pas d'un local, ils parlent d'un studio. Mais il y a un studio, j'ai dit, mais oui, mais c'est pas propre, m'a dit, un studio, oui. Oui et non. Oui, bien sûr. Mais tu sais, c'est cette approche de télévision, ça doit être un gros machin. Eux, ils ne peuvent pas s'imaginer, d'accord. Alors, plus maintenant, ça c'est clair. Et puis, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que puisqu'on parle de ce nouveau quartier, qui est juste en face de la cité des Avanchets, de l'autre côté de la route de Mérin, en fait, ils ont une équipe qui a monté une télévision qui s'appelle L'Antenne, et ils ont ouvert leur page YouTube. Et je veux dire, c'est des gens qui travaillent dans le quartier. Donc, il y a des choses intéressantes à faire, mais c'est sûr que c'est pas ça. Mais on n'attend pas beaucoup de cette télévision, c'est bizarre. Hein. Mais en même temps, s'ils ont une dizaine de personnes, même s'ils ont une production qui est moins régulière, je dirais, ils ont de la chance d'avoir 10 personnes. Moi, j'ai plus vraiment 10 personnes quand il y a des tournages en extérieur. Donc, mais on verra, puisque nous, on va les revoir à la prochaine Assemblée Générale des Contrats de Quartier au Libellule, puisqu'on nous a dédié un espace où on peut projeter les vidéos relatives aux contrats de quartier. Et moi, j'ai demandé à ce qu'ils viennent avec nous pour montrer leur réalisation. Donc, bien. On verra. Bien. Alors, point d'hiver. Moi, personnellement, je n'ai pas de d'hiver. Puis, de toute façon, nous sommes en printemps. Et cette année, c'est arrivé 24 heures plus tôt parce qu'il y a la lune qui est de traviole. Enfin, tout va mal, mon adjudant. Frédéric, tu voulais ajouter quelque chose, peut-être ? Oui. Depuis plusieurs mois, nous avons suspendu les repas à 5 francs. Pour diverses raisons. Aujourd'hui, je suis heureux de pouvoir annoncer que nous reprenons les repas. Ça se fera le mercredi 17. Le mercredi 17 avril. Pour la réservation de sa place, c'est toujours au numéro de téléphone, le 077-277-45-97. Je le répète vite, 077-277-45-97. Le prix du repas est pour le moment fixé à 7 francs. 7. C'était 5. L'inflation est passée par là. Exactement. Nous avons, lors du dernier comité, nous avons dû prendre cette décision qui avait été approuvée. Mais ce prix sera amené à être réduit aussitôt que l'inflation sera passée. Et si, il faut être confiant. Donc, voilà, je donne juste le premier repas du mercredi 17 avril. En entrée, ça sera une soupe de radis.
En plat principal, ça sera les spaghettis sauce à choix ou bolognaise ou carbonara. Et en dessert, tarte meringuée à la mandarine. Voilà. Pour le reste, j'ai quelques prospectus ici à distribuer à qui veut. Je vais déjà en donner une à Bernard, comme ça pour avoir tu le pourras planning la du mois. mettre. Ouais. D'accord. Et donc voilà. Merci Bernard. Pas de souci. Toujours dans les divers, quelqu'un aurait une question, une suggestion, une interrogation, une envie de boire un coup, ça tombe bien, c'est Une ce qui vient question juste après. subsidiaire pour les repas à 7 francs, est-ce qu'il y a des conditions de revenus Non, non, c'est Donc, ouvert. n'importe qui C'est ouvert et peut. même ouvert au-delà des avant-chères, en fait. Ouais. Oui. Ouais. C'est là C'est. qu'il y en a envie qui viennent. Oui. C'est ouvert à tout le monde. Je ne sais pas si tu te souviens de cette phrase qui était Ça va de 7 à 77 ans. Oui, j'étais tentant, ça. Exactement. Ah ouais, Eh bien, je vais reprendre cette maxime en disant C'est ouvert à tous de 5 à 105 ans. D'accord. Voilà. Exactement. Qui oublie est en vie. Eh bien, Qui est écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, il est 20 h, cette assemblée générale se termine. Ce sera difficile de faire mieux quand même. D'habitude, les gens étaient contents parce que c'était en tout cas entre 40 et 60 minutes. Cette année, on aura fait 30. C'est le TGV des assemblées générales. Alors maintenant, à boire. On est efficace, monsieur en tout le président. Cas, merci J'ai beaucoup. Peur. Merci à vous. Et puis, bonne continuation. Ah oui, et Donc on ne on va faire regrette pour pas le mieux, d'être parce venu. Que... Et non, non, hein? pas du tout. C'est vrai, on ne regrette oui, pas d'être venu. Je sais que c'est la dernière fois que je vois ce véhicule. Ah oui? Il est trop petit pour Bernard. Ah d'accord. Il rentre presque plus avec la chaise. Puis il ne touche pas à terre. Ah d'accord. Alors, on a été voir quelqu'un. Dire moi je vous le reprends, alors il n'y a pas de problème. Tant mieux, ouais, c'est Okay. déjà ça de pris, ouais. Alors bon, déjà ça, et puis on va transformer, donc ça sera le mois prochain. D'accord. Déjà transformé, puis je dis comme ça, ben, on aura quelque chose de plus. De plus, plus On fait confortable. bonjour à la caméra. D'accord, bonjour. En tout cas, bon.